Chaque semaine, Tyler répétait le règlement que nous avions élaboré à deux. Messieurs, bienvenue au team. La première règle du gym est, il est interdit de parler du gym. La seconde règle du gym est, il est interdit de parler du gym. Hey, salut à tous, c'est Yvan de la chaîne MyFitWard Yvan et on se retrouve aujourd'hui pour une des toutes dernières vidéos de notre super challenge de Noël. Et oui, les cadeaux commencent à être bien emballés. Bon, aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être compris avec mon imitation plutôt approximative de début de vidéo, on va s'attaquer à un sujet relativement sérieux. Ce sont un petit peu toutes les règles de bienséance, on pourrait dire, qu'il me semble à peu près normal de respecter dans les salles de musculation. Alors oui, ça va concerner les débutants, c'est d'ailleurs pour ça que je fais cette série, mais ça concerne aussi un petit peu tous les vieux relous qui ne respectent rien ni personne. Alors bien sûr, avant de vous exciter, tout ça n'est que subjectif, et vous pouvez être en désaccord avec moi, il n'y a pas de souci, mais dans ce cas-là, on en parle en commentaire, ne vous énervez pas. Alors première règle qui pour moi me semble indispensable, et ce surtout pour les petites et moyennes salles, vous allez comprendre pourquoi, c'est de dire bonjour en arrivant dans la salle. Alors, c'est vrai que dans les chaînes de nos jours, c'est un petit peu difficile, les salles sont tellement grandes, on ne va pas aller faire tout le tour. Mais pour les petites salles, pour moi ça me paraît un petit peu normal, c'est juste une question de politesse. Ce sont des gens qu'on va voir de nombreuses fois dans sa vie et en plus ça serait passé à côté de choses super importantes dans une salle de musculation. Par exemple, si vous ne dites pas bonjour à une personne en rentrant et que vous ne lui dites pas au revoir, eh bien vous ne pourrez pas nouer des liens avec cette personne-là, vous ne pourrez pas discuter de votre passion commune qui est la musculation. Parce que la musculation, ça a beau être une mode, c'est vrai que de plus en plus de gens en font, mais c'est quand même rare dans son entourage d'avoir des personnes qui pratiquent autant que nous. Donc là, la salle de musculation, c'est justement l'endroit où on va pouvoir discuter de tout ça avec d'autres personnes. Donc pour moi, ça me paraît normal de dire bonjour. Autre chose, le jour où vous avez besoin d'être rassuré sur une série, que ce soit au squat, au coucher, on s'en fout. Si vous n'avez jamais adressé la parole à personne dans votre salle, comment vous allez faire? Parce que pour moi, c'est quand même hyper irrespectueux d'aller le demander à une personne qu'on n'a jamais abordée avant. Donc voilà, je pense que pour moi, c'est quelque chose qu'il est bon de maintenir dans les salles de musculation. Je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi, même si c'est vrai que c'est difficile à faire de nos jours dans les chaînes, et je le concède. Mais pour les petites salles, quand même, essayez de faire ça. Et c'est quelque chose que je vous conseille vraiment quand vous êtes débutant et que vous arrivez dans votre première salle de musculation, et d'ailleurs, tout au long de vie. Deuxième règle que je trouve super importante et sur laquelle je vais pas mal insister, rangez vos poids. C'est super important. Alors je sais que je suis devenu super maniaque par rapport à tout ça dans ma salle. Mais bon, faut savoir que j'arrive du karaté, donc j'ai passé 11 ans. Et dans les arts martiaux, le respect, le fait que les choses soient bien rangées, soient propres et qu'on soit respectueux envers les autres, c'est quelque chose de très important. Donc, c'est vrai que c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais quand même, il y a un minimum à faire. Et je suis désolé, mais quand on laisse traîner tous ces poids ou qu'on laisse tous ces poids de 20 kg sur la presse, bah, c'est juste de la fainéantise de ne pas ranger. Il n'y a pas d'autre mot, parce que c'est hyper chiant pour ceux qui arrivent après vous. Essayez de vous imaginer. Vous commencez la musculation, vous n'êtes pas bien gros, pas bien fort, et vous arrivez sur une presse où quelqu'un a laissé 200 kg chargés sur la machine. Comment il fait? Alors déjà, il doit se taper de tout ranger, et en plus, des fois, ça peut être fatigant ou difficile pour certaines personnes. Par exemple, moi, sur la presse dans ma salle, il y a un dépi central qui est super difficile à accéder, et alors quand tu as un poids de 20 kg en caoutchouc qui galère à coulisser sur l'épi, eh bien c'est galère. Donc pour moi, c'est un petit peu la moindre des choses de au moins ranger. Alors je vous demande pas d'être aussi maniaque que moi et de ranger tous les poids sur le bon épi pour que tout soit bien rangé. Bon, ok, c'est vrai que j'abuse peut-être un petit peu, mais il y a quand même un minimum à faire. Troisième règle, et je vais peut-être en vexer certains. L'hygiène dans une salle, c'est quand même important. Alors je sais que c'est pas un endroit super propre. Tout le monde transpire, c'est humide et tout, les bactéries, bon, ce que tu veux. Mais quand même, il y a des bases. N'allez pas à la salle alors que ça fait 3 jours que vous n'êtes pas douché, que vous puez la mort. C'est pas parce que vous allez transpirer pendant la séance que les autres ils vont kiffer l'odeur avec laquelle vous allez vous ramener. Et puis, même chose, mettez une serviette sur vos machines. Enfin, je sais pas vous, mais moi je trouve ça hyper désagréable d'aller me mettre sur un banc de musculation où quelqu'un a transpiré pendant 15 minutes dessus. Enfin, je sais pas, ça se fait pas. Pour moi, ça me paraît normal de mettre une serviette. Et dernière chose, les serviettes que vous mettez sur vos machines, lavez-les de temps en temps. Parce que si c'est pour les garder 3 mois dans votre sac et qu'elles accumulent de plus en plus de transpiration, c'est pas beaucoup mieux que de ne rien mettre. Bon, voilà. C'est un petit message que je voulais vraiment passer dans cette vidéo parce que c'est un petit peu saoulant de voir les gens qui de plus en plus n'en ont rien à faire. Alors je sais que toutes les salles ne demandent pas à mettre des serviettes, mais bon, pour moi l'hygiène c'est quand même minimum. Et enfin, dernière règle que je trouve hyper importante dans les salles de musculation,
Et d'ailleurs, ça me paraît ouf aujourd'hui d'en parler, mais c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans les salles, et je vois dans celle où je suis, c'est arrivé quand même plusieurs fois. Une salle de musculation, c'est un endroit calme où on vient pour s'entraîner. Alors, je sais qu'il y en a qui viennent juste pour passer le temps ou un petit peu s'entretenir, mais il y en a d'autres à côté de ça qui font des sports, qui essayent de se développer, qui ont peut-être même des objectifs de compétition. Et du coup, c'est hyper irrespectueux de passer des coups de fil dans la salle à voix haute en plus. La dernière fois, je faisais du développé incliné et il y a un mec au développé couché en face de moi qui a pris un appel pendant toute ma série. Ça a duré une quinzaine de minutes. Pendant une quinzaine de minutes, le gars monopolisait un développé couché pour appeler un de ses potes au téléphone et parler à voix haute. Je peux vous dire quand même que je les avais là et c'était vachement saoulant. En plus, ça te sort complètement de ta séance. Enfin, je sais pas, mais moi, tout ça, ça me paraît des règles de savoir-vivre et ça ne devrait pas arriver dans une salle. Encore un exemple, toujours un petit peu dans le même genre. Dans quasiment toutes les salles, il y a des radios, du moins de la musique qui passe en fond, ça permet d'être bien dedans, donc je trouve ça plutôt quand même. La dernière fois, je m'entraînais et il y a un gars qui s'est ramené et qui a mis le son de sa musique en haut-parleur sur son téléphone. Alors le gars, il avait un casque, mais il préférait nous faire profiter de sa musique, et puis en plus, ben, il laissait la radio en fond. Donc en fait, j'avais deux musiques qui arrivaient dans chacune de mes oreilles. Et bien sûr, la personne n'a pas demandé à qui que ce soit l'autorisation de faire ça. Je sais pas moi, mais ça vous choque pas vous un comportement pareil? C'est super impoli, super irrespectueux. Donc s'il vous plaît, si vous voulez mettre de la musique, y a pas de souci en soi, je pense que tout le monde sera plus ou moins d'accord. Mais au moins demandez l'autorisation aux autres et coupez la musique qui était en fond, enfin, sinon c'est complètement ridicule. Bon, voilà, j'ai fait un petit peu le tour des quelques règles de bienséance, on va dire, de bonne conduite à tenir dans une salle de musculation. C'est celle qui, moi, m'importe, et peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, peut-être qu'il y en a que vous trouverez pas super importante, et c'est votre droit, hein, n'hésitez pas à en parler en commentaire, de toute façon, sur ça, je n'ai aucun monopole, hein. C'est juste une façon de discuter, et peut-être de voir ensemble comment améliorer les choses dans les salles. D'ailleurs, justement, n'hésitez pas, en commentaire, à me faire vos propositions sur des règles de bonne conduite qui seraient bonnes à appliquer un peu dans toutes les salles, ça serait super génial, ça nous ferait une liste sympa, et je pense que je la mettrai après en description, en fonction de vos propositions. Bref, si ce contenu-là vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner si vous ne voulez pas rater mes deux dernières vidéos de mon super challenge de Noël.